Amen. In this series, dans cette série, we've been looking at the binding of, nous avons regardé au liage des gerbes, and its relationship to the work of the third angel. Et de sa relation avec l'œuvre du troisième ange. We want to just refresh our minds. Nous voudrions juste rafraîchir notre mémoire. With the first passage that we read. Avec la première citation que nous avons lue. La citation, la diapo numéro 2. Taken from early writings, page 118. Tirée de premiers écrits à la page 118.1. I then saw the third angel, said my accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. Je vis ensuite le troisième ange, celui qui m'accompagnait, me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. He is the angel that is to select the wheat from the tares and seal or bind the wheat for the heavenly garner. Il est l'ange qui doit choisir le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. These things should engross the whole mind, the whole attention. Ces choses devraient occuper tout votre esprit, retenir toute votre attention. We've carefully laid out. Nous avons mis through this series, avec soin, tout au long de cette série, the relationship between the first, second and third angel, donc nous avons montré la relation du premier, deuxième et troisième ange, the relationship between these angels and the mission or the work of the gospel, la relation avec l'ange et la mission de l'évangile, and we've used and seen many symbols. Et nous avons vu plusieurs symboles that describe the work of the third angel. Qui décrivent donc l'œuvre du troisième ange. We've explained many concepts. Nous avons expliqué plusieurs principes. Many thoughts and ideas. Plusieurs pensées et idées. That the gospel mission is completed by the end of the second angel. Que la mission de l'évangile, de l'œuvre de l'évangile est donc achevée à la fin du deuxième ange. And as Ellen White says, this grand and awful work of the third angel. Et Ellen White dit cette œuvre grande et redoutable du troisième ange. Is not only to separate the wheat from the tares. Ne consiste pas seulement à séparer l'ivraie du bon grain. But it's also to bind the two groups together. Mais c'est sert aussi à lier les deux groupes. On the chart, on this board. Sur ce tableau. What we've laid out here. Ce que nous avons présenté là. As we can see. Is the third angel. Alors que ce que vous pouvez voir, c'est le troisième ange. And we've shown its relationship to the first and second angel. Et nous avons montré sa relation avec le premier et deuxième ange. But what we can see. Mais ce que nous pouvons voir. Is that the servants of God who are sealed and bound. Les serviteurs de Dieu qui sont scellés et liés. Are not a single group at the end of the world. Ne représentent pas qu'un seul groupe à la fin du monde. We can identify three groups. Nous avons pu identifier trois groupes. Two from Adventism and one from the world. Alors deux groupes issus de l'adventisme et un autre du monde. This clarity. Cette clarté. Helps us to explain many Bible passages. Nous permet d'expliquer plusieurs passages bibliques. And what we've identified on this chart. Et ce qui a été identifié sur ce graphique. Are verses from Hosea and Amos. C'est un verset tiré de Hosée et d'Amos. And we can see that it's cloaked in the language of agriculture. Et nous pouvons voir que c'est tiré du langage de l'agriculture. C'est la diapo 77. If you review the material. Si vous revoyez, révisez le matériel. One of the most fundamental and startling truths that we are presenting. L'une des vérités frappantes et importante que nous présentons, c'est que la pluie de l'arrière-saison que plusieurs adventistes ont entendu parler, ne tombe pas à la loi du dimanche uniquement, as we've been taught for many years, comme cela nous a été enseigné depuis plusieurs années, but in fact it begins to be poured out a long time before that. Mais en fait, compte, elle a commencé à être déversée une longue période avant la loi du dimanche. So,
On our chart, we can see that the rain begins to fall at 9/11. Donc sur notre graphique, nous avons pu voir que la pluie commence à tomber à partir du 11 septembre. And at one level, it never stops; it just continues to pour out. Et elle ne s'est jamais arrêtée; elle continue de tomber. Until the very end of the close of probation. Jusqu'à la fin donc du temps de la jusqu'à la fin de la fin du temps de grâce pour l'humanité. But we're not just explaining. The work of this rain in a general sense. Mais nous n'avons pas expliqué le rôle de cette pluie dans un sens général. We've looked at it very specifically. Nous avons regardé à cette pluie de façon particulière. And you can see that we have a former rain and a latter rain. Et vous pouvez voir que nous avons une première pluie et aussi une pluie de l'arrière-saison. And then again we have a former and a latter and a former and a latter. Et nous la voyons à trois reprises. Now the purpose of rain. Pour les groupes, les trois groupes. Et le but de la pluie, is to allow crops to grow. C'est pour permettre à la semence de pousser. So we've also laid out with this rain a sequence of events of the growth of crops. Et avec cette pluie, nous avons mis une séquence d'événements pour le développement de cette semence. There's a plowing, a growing, and a reaping. Donc nous avons vu qu'il y avait un labourage, ensuite une semence et après une moisson. And this happens for three separate groups of people. Et cela se passe pour les trois catégories de personnes. In our closing presentation, dans notre dernière présentation à la fin, we spoke about the messages. Nous avons parlé des messages that are found in the book of Revelation, qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. And what we discovered, et ce que nous avons découvert, was that the Holy Spirit, c'est que le Saint-Esprit, represented by the oil of Zechariah chapter 4, représenté par l'huile d'Apocalypse de Zacharie 4, merci. Was being fed or being given to God's people, a été donné au peuple de Dieu, being poured into our hearts, qui doit être donc versé dans notre cœur, through a vehicle, par un moyen. Now this vehicle, continue, was the messages that John was given. Et ce moyen, ce sont les messages que Jean a donné. Qu'il a été donné à Jean. Those messages that he was given to give to God's people. Ces messages qui lui a été donné afin qu'il puisse les communiquer au peuple de Dieu. So we understand. Nous comprenons that these messages, que ces messages, are in fact the outpouring of the Holy Spirit. Sont en fin de compte l'effusion du Saint-Esprit. They are the latter rain. Ça représente la pluie de l'arrière-saison. And those messages of Revelation 14. Et ces messages d'Apocalypse 14. Are just an encapsulation of the whole book of Revelation. Encapsulation. They contain all the elements of Revelation. En fin de compte, ils contiennent toutes les caractéristiques du livre de l'Apocalypse. So that's why we contend. Et c'est pour ça que nous disons that the book of Revelation is in fact the latter rain. Et c'est pour ça que nous disons qu'en fin de compte, le livre de l'Apocalypse c'est la pluie de l'arrière-saison. So the latter rain that causes God's people to grow, come to maturity, and to be ready for harvest. C'est la pluie qui permet au peuple de Dieu donc de grandir et ensuite de se développer et ensuite d'être moissonné. Is the book of Revelation. Et c'est le livre de l'Apocalypse. But we understand that it's more than that. Mais nous comprenons que c'est beaucoup plus que ça aussi. And we're going to just read some passages to explain that further. Et nous allons lire quelques passages qui l'expliquent. So we're reading from Seven Bible Commentary, page 971, paragraph 5. 7 BC, 971.5. Here we read, the books of Daniel and the Revelation are one. One is a prophecy, the other a revelation. One a book sealed, the other book opened. Commentaire biblique volume 7, la page 971, paragraphe 5. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont un. L'un est une prophétie, l'autre est une révélation. L'un est un livre scellé et l'autre un livre ouvert. Diapo 70. Through this series,
tout au long de cette série and others that I've given, et les autres que j'ai pu donner, I've mentioned this concept or principle of repeat and enlargement. J'ai mentionné le principe de la répétition et de l'élargissement. We can see this being employed once again here in the spirit of prophecy. Et nous pouvons voir que cela est employé encore dans l'esprit de prophétie. Hein. But here it's given three times. Mais ici, c'est donné trois fois. So she's speaking about the books of Daniel and Revelation. Premièrement, elle parle du livre de Daniel et de l'Apocalypse. So the first thing she tells us is they are a singular book, they're one book. La première chose qu'elle nous dit qu'ils constituent qu'un seul book, qu'un seul livre. So as in a marriage, comme dans un mariage, these two, ces deux-là, have become one. Sont devenus un. So we should understand that when we consult one book, we should make reference to the other. On doit comprendre par là que lorsqu'on consulte un de ces deux livres, nous devons faire la référence à l'autre et le consulter. Then she says that one is a prophecy and the other a revelation. Elle nous dit que l'un est une prophétie et l'autre une révélation. So here she's telling us that Daniel is a prophecy and the book of Revelation is a revelation. Là, elle nous dit que le livre de Daniel est une prophétie, le livre de l'Apocalypse une révélation. Now the way this sentence is structured, la façon dont la construction de cette phrase est faite, it's clear that when she says one is a prophecy, the other a revelation, il est clair que lorsqu'elle dit l'un est une prophétie et l'autre une révélation, she wants us to understand the connection between the two. Elle veut que nous comprenions la relation qui existe entre les deux livres. The book of Revelation, le livre de l'Apocalypse, reveals the prophecy that's given in the book of Daniel, révèle la prophétie qui a été donnée dans le livre de Daniel. So when you're studying Daniel chapter 2 or 7 or 8 or 9. Quand vous étudiez Daniel 2, 7 ou 9, to the end of the book, jusqu'à la fin du livre, if you want to understand what those prophecies mean, si vous voulez comprendre la signification de ces prophéties, if you wanted to understand what is being revealed in those prophecies, si vous voulez savoir ce qui a été révélé dans ces prophéties, it's obvious where you should go. Il est évident de l'endroit où vous devriez aller. The book of Revelation. C'est dans le livre de l'Apocalypse. But God's people are scared and frightened to enter that book. Mais le peuple de Dieu a peur et effrayé de consulter ce livre. Because we have incorrectly been taught that this is a sealed or a closed book. Parce que nous avons été enseignés de façon incorrecte que ce livre est scellé, fermé. But listen to what she says next. Mais écoutez ce qu'elle dit après. One, a book sealed. L'un est un livre scellé. The other, a book opened. Et l'autre, un livre ouvert. Now, when we see that this is a repeat and enlargement, quand nous voyons qu'il s'agit d'une répétition et d'un élargissement, she says this about Daniel. Elle le dit au sujet de Daniel. The book of Daniel, le livre de Daniel, is a prophecy, est une prophétie, which has been sealed, qui est scellée, or locked, ou bien verrouillée, so that we cannot understand what it means, afin que nous ne puissions pas comprendre ce qu'il signifie. But the book of Revelation, en revanche, le livre de l'Apocalypse, is a revelation of the book of Daniel. C'est une révélation du livre de Daniel. And it's a book that's been opened. Et c'est un livre qui a été ouvert. But more than that, mais plus que cela, it's a book that opens the sealed book. C'est le livre qui décèle, qui ouvre le livre scellé. So when we connect these two books together, quand nous relions ces deux livres ensemble, we have a prophecy that we can understand that's been revealed. Nous avons une prophétie que nous comprenons qui est révélée. And we have a book that was sealed that is now been opened. Et nous comprenons que nous avons un livre qui est scellé qui est maintenant ouvert. Now when you read these words, quand vous lisez ces paroles, they should bring you great comfort. Ça devrait vous donner beaucoup plus de réconfort. Because the misinformation that we've been given, parce que la mauvaise information qui nous a été donnée, that these books are hard to understand and they're complicated, c'est que ces livres sont difficiles à comprendre et sont compliqués. And this passage is shown not to be true. Mais ce passage de l'esprit de prophétie nous montre que ce n'est pas vrai. Now we think that the book of Daniel is easy to understand. Nous pensons que le livre de Daniel est facile à comprendre. And we often use Daniel 2 as an entering wedge when we speak into people in the world. Et nous utilisons souvent Daniel 2 comme un pont pour parler aux autres. But what we're actually being taught here, mais ce qui nous est dit ici, is that Daniel 2, c'est que Daniel 2 is a sealed prophecy, est une prophétie scellée. And if you actually want to understand the clarity and the depth of what that
prophecy is. Et si vous voulez comprendre la clarté et la profondeur de cette prophétie, the book of Revelation will explain it. Le livre de l'Apocalypse va l'expliquer. Now, we do not approach these two books in that way. Et par contre, nous n'approchons pas, nous n'abordons pas ces deux livres de cette façon-là. Generally speaking. De façon générale. But we're being taught that that's what we should be doing. Mais il nous est dit que c'est de cette façon que nous devrions procéder. So, if you had on the ground, donc si nous avons sur le sol a big heavy rock, une grosse pierre, hein, and there was a coin that was wedged at the bottom of it, et il y a une pierre qui donc l'empêche de rouler, you could get a wedge, vous pouvez avoir donc un grand bâton donc, and you could drive it underneath that rock. Et vous pouvez le pousser sous cette pierre. And it would open it up. Et ça va la faire rouler. So an entering wedge. Donc une porte d'entrée. Is what you use to open up something. C'est ce que nous utilisons pour ouvrir quelque chose. So when I say that we use Daniel chapter 2 as an entering wedge. Lorsque nous disons que nous utilisons Daniel 2 comme une porte d'entrée, I mean we use it as an introduction to our message. Nous l'utilisons comme une introduction à notre message. The next passage we want to look at, et l'autre passage que nous aimerions regarder, is taken from the book Faith I Live By. Est tiré du livre The Faith I Live By. Page 345, paragraph 3. La diapo 71, Faith I Live By, 345, paragraphe 3. That's FLB 345.3. FLB 345.3. When the books of Daniel and Revelation are better understood, believers will have an entirely different religious experience. Lorsque les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une expérience religieuse entièrement différente. They will be given such glimpses of the open gates of heaven that heart and mind will be impressed with a character that all must develop in order to realize the blessedness which is to be the reward of the pure in heart. Ils auront un tel aperçu des portes ouvertes du ciel que le cœur et l'esprit seront impressionnés du caractère que tous doivent développer afin de réaliser les bénédictions qui doivent être la récompense d'un cœur pur. This is a beautiful promise. C'est une belle promesse. But more than that, mais plus que cela, it says that when we study the books of Daniel and Revelation, il nous dit que lorsque nous étudions le livre de Daniel et de l'Apocalypse, in combination, en combinaison, en les combinant ensemble, and we begin to understand the things that are shown in those books, et que nous commençons à comprendre les choses qui sont présentées dans ce livre, we will have a different religious experience. Nous aurons donc une expérience religieuse entièrement différente. The implication is, l'implication, c'est que that prior to this, we've had a bad religious experience. C'est avant cela, nous avons eu une expérience religieuse mauvaise. We've been faltering, like tripping over. When you trip, we've been failing. Nous avons donc échoué. In our Christian walk. Dans notre course chrétienne, we have had a walk that's been in rebellion to God. Nous avons eu une marche en rébellion contre Dieu. And we've been stumbling here and there. Et nous avons trébuché là, ça et là. But when we begin to understand what these books are, mais lorsque nous comprenons, commençons à comprendre ce que représentent ces livres, this religious experience will be totally different. Notre religion, l'expérience religieuse sera totalement différente. What's being described here, ce qui est décrit ici, is what we've been speaking about in this series. C'est ce dont nous avons parlé dans cette série. When we see the work of the first, second, and third angel, quand nous voyons l'œuvre du premier, deuxième et troisième ange, we'll see that the outpouring of the Holy Spirit, nous voyons que l'effusion du Saint-Esprit, that God's people have been expecting for many years, que le peuple de Dieu attend depuis plusieurs années, is being delivered through the messages of Revelation, est en train d'être délivré par le moyen, à travers le message de l'Apocalypse, in combination with the book of Daniel, en lien avec le livre de Daniel. But it says that we need to better understand these things. Mais elle nous dit qu'il nous faut mieux comprendre ces choses. It then goes on to say that we will see such glimpses of the open gates of heaven. Ensuite, elle poursuit en disant que
Nous aurons un tel aperçu des portes ouvertes du ciel. Now yesterday, hier, we took three prophets. Nous avons pris trois prophètes. We took John, Ezekiel, sorry, Isaiah, nous and Daniel. Nous avons pris Jean, Ésaïe et Daniel. And we said that they all had the same experience. Nous avons dit qu'ils ont tous eu la même expérience. They saw heaven opened. Ils ont vu le ciel ouvert. And in particular, Daniel gives us real clarity on this. Et Daniel nous donne vraiment une belle réalité de cela en particulier. Because when we talk about heaven being open, we're referring to the most holy place. Parce que lorsque l'on dit que le ciel est ouvert, on fait mention du lieu très saint. On our board, sur notre tableau, we can see that I've just briefly simply drawn this concept. Vous voyez que j'ai juste présenté ce concept rapidement. This is taken from Daniel chapter 10. Parce que cela est pris de Daniel 10. In Daniel chapter 10, dans Daniel 10, he meets Christ in the most holy place. Il a rencontré Christ dans le lieu très saint. And we are now certain, et nous sommes certains maintenant, that we can identify this occurring between midnight and midnight cry. Nous sommes certains que cela se passe entre minuit et le cri de minuit. And I've identified the two covering cherubs. Et j'ai identifié les deux chérubins protecteurs. Which are a symbolic representation, qui sont une représentation symbolique, of the angels of Revelation 18. De l'ange d'Apocalypse 18. The angel that's described from verses 1 to 3. Les anges qui est décrit du verset 1 à 3 d'Apocalypse 18. And the other voice of Revelation 18 verse 4. Et l'autre voix d'Apocalypse 4. All these symbologies, Apocalypse 18 verset 4. Tous ces symboles. All these symbologies now coming together. Tous ces symboles maintenant se rejoignent. And is being placed in our reform line. Et sont placés dans notre ligne de réforme. To give us clarity of what is happening at the end of the world. Afin de nous donner une clarté sur ce qui se passe à la fin du monde. And as we begin to have a glimpse. Et alors que nous commençons à avoir un aperçu. As Ellen White says of the open gates of heaven. Comme Ellen White dit, des portes célestes qui sont ouvertes. As Daniel did. Comme Daniel le fit. When the curtains between the holy place and the most holy place are drawn aside. Quand le voile entre le lieu saint et le lieu très saint a été donc ouvert. She says this. Elle dit cela. Our heart and our minds will be impressed with the character that we must develop. Notre cœur et notre esprit sera impressionné du caractère que nous devrions développer. In order to realize the blessedness which is to be the reward of the pure in heart. Afin de réaliser les bénédictions qui doivent être la récompense d'un cœur pur. Diapo 71. As we approach the midnight and midnight cry period. Alors que nous approchons la période de minuit et de cri de minuit. And we're beginning to have these glimpses of the open gates of heaven. Nous commençons à avoir un aperçu des portes ouvertes du ciel. We need to understand what a glimpse is. Et il nous faut donc comprendre ce qu'est un aperçu. A glimpse is a foretaste. Or a pointer. C'est un indicateur. Or just an indication. C'est un aperçu. It's not the very thing. Ce n'est pas la chose même. So it says they will be given glimpses of the open gates of heaven. Donc elle nous dit là qu'ils vont nous donner un aperçu before, des choses du ciel. Before they arrive there. Avant qu'elles n'arrivent. So before we arrive at the midnight. Avant que nous n'arrivions à minuit. We will be having glimpses of the open gates of heaven. Nous aurons des aperçus des portes ouvertes du ciel. And these glimpses, et ces aperçus, will impress upon our hearts, vont s'imprimer, vont s'enraciner dans notre cœur, and upon our minds, et notre esprit, the character that we will need, par rapport au caractère dont nous avons besoin, before we get there, avant d'aller là-bas. Now, when she says heart and mind, lorsqu'elle dit le cœur et l'esprit. We want to understand that clearly. Il nous faut le comprendre de façon claire. Because in an earlier passage we read. Parce que dans un passage précédent nous avons lu. That the sealing. Que le scellement. Was a settling into truth. Est un affermissement dans la vérité. Both intellectually. Intellectuellement. With the mind.
avec l'esprit and spiritually et oui et intellectuellement you say intellectually with the mind mm-hmm. and spiritually with the heart et spirituellement avec le cœur. So Ellen White talks about these same principles just using different language. Et Ellen White utilise le même principe pour utiliser ce principe. La même image pour utiliser ce principe. So, in the period of the first and second angels' messages, dans la période du premier et deuxième message, from 9/11 to midnight, du 11 septembre à minuit, we are having glimpses of heaven. Nous avons eu un aperçu du ciel. C'était la diapo 7 qu'on a lue. If si we're studying the books of Daniel and Revelation together, nous étudions ensemble le livre de Daniel et de l'Apocalypse, and we're having a better understanding of those books, et que nous avons une meilleure compréhension de ces livres, and this different religious experience, et aussi cette expérience religieuse différente, is helping us to see heaven in a new way. Cela nous permettra de voir le ciel, mais d'une façon différente. And as we view heaven in this new perspective, et alors que nous regardons le ciel avec ce nouvel œil, it will show us the characters that we must have. Cela va nous montrer le caractère que nous devrions avoir. In order to stand in this time period. Afin de pouvoir tenir debout durant la période de minuit, cri de minuit. This is the motivation. Et c'est la motivation. For putting sin out of our lives. De mettre le péché de côté dans nos vies. So that we want to be totally separate from this. Pardon? We want to be totally separate from sin. Parce que nous voulons être totalement séparés du péché. Both intellectually. À la fois intellectuelle, and spiritually. Mais aussi spirituellement. We don't just stop doing wrong. C'est pas que nous arrêtons de faire le mal. We don't desire to do wrong. Nous ne voulons pas faire le mal. But we desire to follow God. Nous désirons suivre Christ. His law is hid within our heart. Sa loi est cachée dans notre cœur. And this is happening during this period. Et c'est ce qui se passe durant cette période-là. But we want to understand. Avant la période du cri, avant la période de minuit, et nous voudrions comprendre. When she says glimpses of the open gates of heaven, quand elle dit un aperçu des portes ouvertes du ciel, a glimpse, un aperçu, is an indication or a foretaste. C'est une indication ou un aperçu, hein. Aperçu, un avant-goût, voilà. So un avant-goût. When we think about a foretaste, quand on parle d'un avant-goût, on a line, sur notre ligne, this is the goal. Voici le but. The crown of life. Le but, c'est la couronne de la vie. Which you will receive in heaven. Que vous recevrez au ciel. But there will be a foretaste of that beforehand. Mais il y a déjà un avant-goût de ça avant. There will be glimpses of this. Il y a déjà un aperçu de cela. So here, ici, as we're looking, alors que nous regardons to this future event, vers cet événement futur, we are now having glimpses of it. Nous avons donc un avant-goût de cela. So the idea is, l'idée est celle-ci. That you can only see part of it. Vous pouvez voir simplement qu'une partie de cela. Not all of it. Non, pas tout. So we would say we saw a glimpse of it. Donc nous allons dire que nous avons vu un aperçu. Now Paul, Paul in his works, uses the same imagery. Paul, dans ses œuvres, utilise la même image. He speaks about this in 1 Corinthians chapter 13. Il en parle dans 1 Corinthiens 13. Verse 12. Verset 12. For now, in our present situation, we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know even as also I am known. 1 Corinthiens 13, le verset 12, car maintenant nous voyons au travers d'un miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis now, aussi if, connu. If we take that passage, si nous prenons ce passage de Paul, and bring it into the passage we're reading, the Spirit of Prophecy quote, et nous l'emmenons dans le passage que nous lisons, l'Esprit de prophétie, Paul says, Paul dit, today, aujourd'hui, I see or I look, je regarde, je,
Through a glass darkly. À travers d'un miroir obscur. And what is he looking at? Mais il regarde à quoi? He's looking at heaven. Il regarde au ciel. But he here says he can only see it through a glass. Mais il dit il peut le voir qu'à travers un miroir. Darkly. Mais de façon sombre. Ellen White uses that same situation. Ellen White utilise la même situation. And she says you can see heaven in a glimpse. Et elle dit que vous pourrez voir le ciel comme un, avoir un aperçu du ciel du moins. So Paul. Paul. And Ellen White. Et Ellen White. Metaphorically speaking. Parlant métaphore. Are at the same point. De même point. They're both here. Les deux se trouvent là. And they're looking through at the prize of heaven. Et ils regardent donc au prix que nous aurons au ciel. But Ellen White says, mais Ellen White dit, I only saw a glimpse of it. Je vois seulement un aperçu, j'ai seulement un aperçu de cette chose. And Paul says, et Paul dit, you can only see it through a glass. On peut seulement le voir à travers un miroir. Now we know that that glass, nous savons quel est ce miroir. In the English, dans l'anglais, it does not mean a glass bottle. Ça ne veut pas dire une bouteille en verre. It actually means a mirror, as it's translated in the French. Ça veut dire un miroir, comme c'est traduit en français. So Paul, Paul is saying he's looking through a mirror. Dit qu'il regarde un miroir. Now let's use that imagery. Prenons donc cette image. As I've drawn it here. Comme je l'ai dessiné là. So Ellen White says. Ellen White dit, we will have glimpses. Nous aurons des aperçus. And a glimpse. Un aperçu et un aperçu. Means a foretaste. Ça, c'est un avant-goût. Which means you taste something before you actually get it. Vous testez quelque chose avant de l'avoir réellement. So a good, an explanation of that. Une explication de cela. Would be when food is being cooked. Quand la nourriture est prête et préparée, when et you cuite, when you smell the aroma, quand vous sentez les arômes, you haven't tasted the food, vous n'avez pas encore goûté à la nourriture, but you know what you're going to eat, mais vous savez déjà ce que vous allez manger, because you've had a foretaste of it. Parce que vous avez eu un avant-goût de cette nourriture. So there's a relationship between the foretaste and the reality. Donc il y a une relation entre le goût, l'avant-goût et la réalité. Now, Ellen White will give you the impression, Ellen White nous donne l'impression, when you have a glimpse of something, quand vous avez un aperçu de quelque chose, you have to be looking at the thing. Il vous faut regarder à la chose réelle. But it's partly covered. Mais elle est partiellement couverte. So you can only see a small part of it. Donc vous pouvez voir simplement une petite partie. But when you introduce the concept that Paul gives, mais lorsque vous introduisez le concept donné par Paul, he doesn't say a glimpse. Il ne dit pas un aperçu. He says we see it darkly. Il dit nous regardons obscurément. And he explains what that is through a mirror. Et il le dit c'est à partir d'un miroir, c'est pour ça que c'est obscur. Now if you think how mirrors work, et si vous voyez, vous réfléchissez à la façon dont fonctionne un miroir, it works by reflection. Ça fonctionne grâce au reflet. And he says, et il dit, using the language that Ellen White gives, En utilisant les mots d'Ellen White, when we want to look at heaven, quand nous regardons au ciel, we must look at it through a mirror. Il nous faut le regarder par le miroir. So let's do that. Faisons cela. Here's our mirror. Voici notre miroir. Here's heaven. Et voici le ciel. So if you're going to look at heaven, donc si vous voulez regarder au ciel, through a mirror, à travers un miroir. Which way must you be looking? Pardon, which way? De quelle direction devriez-vous regarder? You must be looking this way. Il vous faut regarder donc par là. In the opposite direction of where you're going. Dans la direction opposée à laquelle vous allez. So you must be looking here. Il vous faut regarder donc de ce côté-là. To see the open gates of heaven. Il vous faut regarder donc en avant pour voir les portes ouvertes du ciel. So this, donc la couronne là, which is this in reality, qui est la couronne en réalité à la fin de la course. This is what you're looking at. Donc c'est à cette couronne là que vous regardez. You're not looking at the real thing. En avant, dans le miroir, vous regardez pas la véritable couronne. This,
Celle-ci, is an image, cette couronne est une image of this, de la couronne réelle. This is what's being described, et c'est ce qui est décrit in these two different models. Dans ces deux modèles différents. Now, if you're headed in this direction, si vous regardez de cette direction, which is correct, qui est donc... look at, you mean. If we look you're at... walking. Ah, si nous marchions dans cette direction, ce this qui is where est you're bien, going. Parce que c'est vers là que nous devons aller. If you want to get there, si vous voulez arriver à la couronne, arrive at the correct place, arriver au bon endroit, where do you need to be looking? Où vous faut-il regarder? You have to be looking backwards. Il vous faut regarder en arrière. Now, this is a counterintuitive concept. It's not what you would expect. Ce n'est pas ce que vous attendrez. What's being portrayed here, ce qui est décrit ici, is if you want to get to the end, c'est si vous voulez arriver à la fin, you have to see what it looks like through a mirror. Il vous faut regarder à ce que cela ressemble, mais dans un miroir. You have to see these images. Il vous faut voir ces images. Now we're not studying 1 Corinthians. Nous n'étudions pas 1 Corinthiens là. But if we were to do that, mais si il fallait que nous le fassions, we would see what Paul is referring to, nous verrons que ce dont Paul fait référence, ce à quoi Paul fait référence, when he develops this, picture for us, quand il développe cette image pour nous, is that what this really looks like, c'est ce à quoi elle ressemble vraiment, of various histories, c'est plusieurs histoires. AD 27. L'an 27. The cleansing of the temple. La purification du temple. P-U-T. And the cross. Et la croix. Heaven. Le ciel. Would look like this. Ressemble à ça. Or the goal that you're directed to. Or the goal that you want to get to. Ou le but vers lequel vous voulez vous marcher. Vers le but vers lequel vous marchez. Or it could look like this. Ou bien, ça peut ressembler à ça, 1840, la ligne des Millerites. Millerite history. L'histoire des Millerites, 1840 à 1844. From 1840 to 1844. 1840 à 1844. So if you want to understand the direction in which you're supposed to go, si vous voulez comprendre la direction vers laquelle il vous faut marcher, you need to go to previous histories. Il vous faut donc retourner vers les anciennes histoires. And these... Et ces histoires are the images sont des images of where you're headed. Sur là où vous avancez. These are the glimpses. Ce sont donc des aperçus of the open gates of heaven. Des portes ouvertes du ciel. So when we bring this into our line, lorsque nous apportons cela dans notre ligne, we will see the open gates of heaven here. Nous verrons les portes du ciel ouvertes ici, à la 3, au point 3. On the other board, I showed it. Et sur l'autre tableau, je vous l'ai montré. By these curtains being opened. Par ce rideau étant ouvert. Indicating the gates of heaven are open. Indiquant que les portes du ciel sont ouvertes. This is the history. C'est l'histoire. Of the glimpse. De l'aperçu. Or the foretaste. De l'avant-goût. And this history here. Et cette histoire-là. Is the time period of the Hazon. Et c'est la période de la vision Chazon. Is that okay? Oui. So this is the Hazon. C'est la vision Chazon. This is the vision. C'est la vision. Of prophetic history. De l'histoire prophétique. And this is the story. Et c'est l'histoire of prophetic history. De l'histoire prophétique. These prophetic histories sont ce récit de l'histoire prophétique. Are the glimpses of heaven. Ce sont les aperçus du ciel. That God's people will be having. Que le peuple de Dieu aura. As they better understand the books of Daniel and Revelation. Quand ce peuple comprendra mieux les livres de Daniel et de l'Apocalypse. It's a study of this. C'est de l'étude de ça, you mean, Chazon? The study of the Hazon vision. L'étude de la vision Chazon. That will give you the motivation. Qui va vous donner la motivation. To change your life. De changer vos vies. To live in a different way. De vivre d'une façon différente.
In the words of Ellen White, selon les propos d'Ellen White, by studying the Hazone vision, en étudiant la vision Chazon, which is a glimpse of the open gates of heaven, qui est donc un aperçu des portes ouvertes du ciel, diapo 71, we will be impressed or understand, nous serons donc impressionnés ou nous comprendrons with the character that we must develop, quel est le caractère que nous devrions développer in order to be the wheat, afin de faire partir du froment ou du bon grain at the binding off. Durant la période du liage. Next paragraph. Le paragraphe qui suit, la diapo 72. Paragraph 4. Le paragraphe 4 de Faith I Live By. When we understand, lorsque nous comprenons, what the book, this book of Revelation, quand ce livre de l'Apocalypse, what it means to us, signifie pour nous, there will be seen amongst us a great revival. Il sera vu parmi nous un grand réveil. Now revival, réveil, is an awakening out of death. C'est un réveil de la mort. We don't have time to go into this. Nous n'avons pas le temps de parler de cela. But Ezekiel chapter 37, mais Ézéchiel 37 speaks about this very concept and principle. Nous parle de ce concept même, de ce principe. About people being woken up out of death. Sur des personnes qui se réveillent donc de la mort. In that chapter, dans ce chapitre, it speaks about dry, parched bones. Il nous parle des eaux desséchées. In a valley. Dans une vallée. Now, this concept of a valley, le concept de la vallée, is a place where people make decisions. C'est l'endroit où les personnes prennent une décision. A place where people are judged. Un endroit où les personnes sont jugées. A place of probation. C'est un lieu de probation. So these bones that are dry and dead, donc ces os qui sont desséchés et morts, are going to be brought alive. Vont être emmenés à la vie. But in Ezekiel 37, mais dans Ézéchiel 37, what makes them come alive is this wind. Qu'est-ce qui les rend vivants? C'est ce vent. But it's not just the wind. Nous avons vu seulement le vent. But Ezekiel is told to prophesy. Mais il est dit à Ézéchiel de prophétiser. To the wind. Au vent. So this prophesying. Donc cette prophétie, l'action de prophétiser. Is nothing more. N'est rien de plus. Than Ezekiel, mm-hmm. who represents God's people. Qu'Ézéchiel qui représente le peuple de Dieu. Understanding what this book means. Qui comprend la signification de ce livre. So when you understand what the book means, quand vous comprenez ce que le livre signifie, you begin to share it. Vous commencez donc à le partager. You begin to prophesy. Vous commencez donc à prophétiser. To or about the wind. Au sujet du vent. To these dead dry bones. À ces ossements desséchés. And what would you see? Et qu'est-ce que vous verrez? There will be seen amongst us a great revival. Il serait vu parmi nous donc un grand réveil. There will be a shaking. Il y aura donc un tremblement, un tumulte. As bone comes together with bone. Parce que les os s'assemblent entre eux. Flesh is laid over these bones. Et la chair et les os sont recouverts de chair. And these people come alive. Et ces personnes redeviennent vivantes. All of these stories, all of these images, toutes ces images, toutes ces histoires, are all coming back to this concept, this idea, sont traitent de l'idée that the messages that are found in the book of Revelation, que les messages qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, is the latter rain, c'est la pluie de l'arrière-saison, it's the outpouring of the Holy Spirit, c'est l'effusion du Saint-Esprit, that is designed to save God's people at the end of the qui world. Qui est conçu pour sauver le peuple de Dieu. Next reference. 13 Manuscript Releases, page 65, paragraph 2. Manuscript Releases, volume 13, la page 65, la diapo 73. 13 MR 65.2. The books of Daniel Revelation are full of matter which concerns every one of us. We should study these books. And let the Lord God of Israel communicate truth to us. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont pleins de sujets qui concernent chacun d'entre nous. Nous devrions étudier ces livres et laisser le Seigneur, Dieu d'Israël, nous communiquer la vérité. She gives the reason
so that we may be able to communicate the truth to others who live in these last days. Et elle nous donne la raison de sorte que nous puissions être en mesure de communiquer la vérité aux autres qui vivent dans ces derniers jours. Now this first sentence strikes at the heart of our message. Et la première phrase frappe au cœur de notre message. The books of Daniel and Revelation, which are one book, le livre de Daniel et de l'Apocalypse, qui représente qu'un seul livre, are full. Sont pleins. So in the earlier passage, we spoke about the messages that John is given. Donc plus tôt, nous avons parlé des messages qui ont été donnés à Jean. Which is a reference to Revelation 14. Qui est une référence à Apocalypse 14. Three angels' messages. Le message des trois anges. But now Ellen White says they're full. Maintenant, Ellen White nous dit qu'ils sont pleins. Not just that chapter, but the whole of the book. Elle ne souligne pas que le chapitre 14, mais tout le livre. If it's the whole of the book of Revelation, it must be the whole of the book of Daniel. Donc ça doit être tout le livre de l'Apocalypse, donc tout le livre de Daniel. And they contain information that concerns every one of us. Et ils contiennent des informations qui touchent chacun d'entre nous. You cannot hide from your responsibility of reading and studying these books. Vous ne pouvez pas vous départir de votre responsabilité de étudier ce livre. Every single one of us needs to be studying these books. Et chacun d'entre nous, nous devrions étudier ces livres. We cannot leave that work for someone else to do. Nous ne pouvons pas confier cette tâche à quelqu'un d'autre. For them to tell us what the answers are. Afin qu'ils puissent nous révéler quelles sont les réponses. We should study these books. Il nous faut donc étudier ces livres. And let the Lord God of Israel communicate truth to us individually. Et laissez le Dieu d'Israël nous communiquer sa vérité de façon individuelle à chacun d'entre nous. This is a concept that we've been discussing over this past week. Et c'est un principe que nous avons discuté durant toute cette semaine. The necessity of studying for ourselves. La nécessité d'étudier pour nous-mêmes. And the purpose for that, et le but pour cela, is so that we can communicate what we read and understand to others. Afin que nous puissions communiquer et dire ce que nous avons compris aux autres. This is the same principle that's given in Ezekiel chapter 2 and 3. Et c'est le même principe qui a été donné dans Ézéchiel 2 et 3. Where he's told to eat the scroll and then to speak the words to Israel. Quand il lui a été dit de manger le rouleau et de prononcer les paroles à Israël. The next passage we want to look at is Testimonies to Ministers, page 112, paragraph 1. Et le passage qui suit que nous allons lire, c'est Témoignages pour les ministres, la page 112, premier paragraphe, la diapo 74. TM 112.1. Daniel and Revelation must be studied, as well as the other prophecies of the Old and New Testament. Donc Daniel et l'Apocalypse doivent être étudiés aussi bien que les autres prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. As we read this passage and the one that to follow, alors que nous lisons ces passages les uns à la suite des autres, we're going to see this concept brought out about the Holy Spirit being embedded in these messages. Et nous allons lire le concept que le Saint-Esprit demeure vraiment dans ces messages. Let there be light, yes, light in your dwellings. Qu'il y ait de la lumière, oui, de la lumière dans vos demeures. The Holy Spirit shining upon the sacred page will open our understanding that we may know what is truth. Alors, le Saint-Esprit brillera sur la page sacrée et ouvrira votre compréhension afin que nous puissions savoir ce qui est vrai. So here we're told that we should be studying Daniel and Revelation. Là, il nous est dit que nous devrions étudier Daniel et l'Apocalypse. As well as other prophecies in the Old and New Testament. Aussi bien que les autres prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament. I contend that in the Gospels. Et je dis que dans les Évangiles. There is a rich source of prophetic information. Il y a une source abondante donc de l'information prophétique. We should spend many hours in those four books. Nous devrions passer beaucoup d'heures dans ces quatre livres. Understanding what the Lord is trying to teach us through his prophetic word. Essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner dans sa parole. Of course, you all know that there are many Old Testament books which are prophetic. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de livres de l'Ancien Testament qui sont prophétiques. All of them should be our study.
Et tous doivent être notre, nous devrions tous les étudier. She says we should have light. Elle dit que nous devrions avoir de la lumière. This light, cette lumière, is the light from these prophecies. Est la lumière sur la prophétie. Then she says that the Holy Spirit will be shining upon the sacred page. Le Saint-Esprit brillera sur la page sacrée. And he will open our understanding, ouvrira votre compréhension, of what those words mean, sur ce que ces mots signifient. This is exactly the imagery that we spoke about. C'est exactement l'image, les images dont nous avons parlé. When we looked at Zechariah 4. Lorsque nous avons regardé à Zacharie 4. When we saw, lorsque nous avons vu, that the messages, que les messages, we're in this oil that comes and gets delivered into our hearts. Sont dans cette huile qui descend pour être donnée à notre mise dans notre cœur. So here we see. Ici nous voyons. That the Holy Spirit. Que le Saint-Esprit. Will shine upon the pages as we read them. Va briller sur les pages comme nous l'avons lu. And open our understanding. Et va ouvrir notre compréhension. The receiving of the Holy Spirit. La réception du Saint-Esprit in the form of the latter rain, dans, sous la forme de la pluie de l'arrière-saison is not some experience that you will have. Ce n'est pas une expérience que vous aurez. Some warm feeling. Un sentiment chaud, chaleureux. It's not some dream or vision that you will get. Ce ne sera pas des rêves ou des visions que vous allez obtenir. It's not obtained by prayer. Ce n'est pas obtenu par la prière. So you cannot come as a group and pray on a certain day. Vous ne pouvez pas constituer un groupe et prier un certain jour. Asking for the outpouring of the latter rain. Pour demander le déversement de la pluie de l'arrière-saison. These are all false concepts of what the latter rain is and how it is to be given. Et tout cela, ce sont des faux principes de ce qu'est la pluie de l'arrière-saison et de la façon dont elle sera donnée. The latter rain. La pluie de l'arrière-saison is given through messages. Est donnée par le biais des messages. In fact, it is the message. En fin de compte, la pluie de l'arrière-saison, c'est le message. And Ellen White describes the mechanics of this. Et Ellen White décrit le mécanisme de cela. As you're reading these words, alors que vous lisez sa parole, they're in the Bible, elles se trouvent dans la Bible, so they must be revealed. Donc ces paroles doivent être révélées. But as you read them, alors que vous lisez ces paroles, mots, you have no idea what they mean. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. So they're hid from you. Donc ces paroles sont cachées pour vous. So we have a revealed message. Donc nous avons un message non révélé. That's hidden. Un message révélé, en fin de compte, pardon, qui est caché. And that's why we don't have this religious experience that we need. Et c'est pour ça que nous n'avons pas cette expérience religieuse dont nous avons besoin. But we read. Mais nous avons lu. When you understand. Quand vous comprenez. Then you will have a religious experience that is new. Alors vous aurez une expérience religieuse qui sera nouvelle. Here it's described. Ici elle est décrite. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit will shine upon the page, brillera sur la page sacrée, on the words that you read, brillera sur les mots que vous lisez, and he will give you understanding, et il va vous donner la compréhension, so that you know what these words mean, afin que vous parveniez à la compréhension de ces mots que vous lisez. This is this wisdom that we need. Et c'est de cette sagesse dont nous avons besoin. This is how the latter rain, et c'est de cette façon que la pluie de l'arrière-saison is being poured through these oil, tubes, est déversée dans ces tuyaux doré, in the messages that God has given. Dans ces tuyaux, par les messages que Dieu nous donne. Those messages he gave to John. Les messages qu'il a donnés à Jean. Testimonies to Ministers, page 116, paragraph 1. Et maintenant, nous lirons la diapo 75, témoignage pour les ministres, la page 116.1. TM 116.1. Those who eat the flesh and drink the blood of the Son of God will bring from the books of Daniel and Revelation truth that is inspired by the Holy Spirit. They will start into action forces that cannot be repressed. Alors ceux qui mangent la chair et boivent le sang du Fils de Dieu tireront à partir des livres de Daniel et de l'Apocalypse des vérités qui sont inspirées par le Saint-Esprit. We'll read through the passage slowly. Those of us, donc on reprend le passage, donc ceux who eat and drink, qui mangent la chair, the flesh and the blood of Jesus, et boivent le sang du Fils de Dieu,
will bring from the books of Daniel and Revelation tireront à partir des livres de Daniel et de l'Apocalypse truth that comes from the Holy Spirit. Des vérités qui sortent du Saint-Esprit. What's being brought to view here? Ce qui est présenté là, is Ezekiel chapter 2 and Revelation 10. C'est Ézéchiel 2 et Apocalypse 10. The eating and drinking of Christ. Le fait de manger et le fait de boire Christ. In Revelation 10 is brought to view as he says, take, eat this book. Parce que dans Apocalypse 10, il est dit, prends et mange ce livre. Eat my flesh, drink my blood. Mange ma chair et bois mon sang. That book is Christ. Ce livre-là, c'est Christ. In Ezekiel, et dans Ézéchiel, he's told to eat the scroll that's written within and without. Il lui est demandé à Ézéchiel de manger le rouleau qui est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. So the eating of the flesh and drinking of the blood. Donc l'action de manger la chair et de boire le sang is the eating of this scroll and little book. Et le fait de manger le petit livre et le rouleau. Here she describes it. Et elle le décrit là. Will bring forth from the books of Daniel truth. Ils vont sortir des livres de Daniel des vérités. So as you eat these books. Alors que vous mangez ces livres. The scroll. Ce rouleau. You eat the flesh and drink the blood of Jesus. Vous mangez la chair et buvez le sang de Jésus. Then, et ensuite, you will find in these books, vous allez trouver dans ces livres truth, des vérités. And that truth, et ces vérités, as you read it, alors que vous les lisez, will be as though you were eating it. Seront les vôtres puisque vous les mangez. So she's making it very clear, et là, elle le dit clairement that it's in the study of Daniel and Revelation, c'est dans l'étude de Daniel et de l'Apocalypse that the fulfillment, que l'accomplissement of the eating of his flesh and the drinking of his blood is happening. Que l'accomplissement de l'action de manger sa chair et boire son sang se réalise. And this is being inspired by the Holy Spirit. Et cela est inspiré par le Saint-Esprit. Which means cela signifie the Holy Spirit is directing c'est que le Saint-Esprit dirige our understanding of what we read. Notre compréhension de ce que nous lisons. If you understand correctly what you read, si vous comprenez de façon correcte ce que vous lisez, you'll be eating these words and drinking the blood. Vous allez manger ces paroles et boire son sang. Eating the scroll or the book. Manger le rouleau ou manger donc le livre. Without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, you can read these words, vous pouvez lire ces paroles, and they mean nothing. Et elles ne signifient rien. You will not be eating and drinking Christ. Vous n'allez pas manger et boire Christ. Now when you do this, quand vous faites cela, when you begin to understand this truth, quand vous commencez à comprendre ces vérités, and then begin to share it, et commencez à les partager, as we were told in the previous passage, comme il nous a été dit dans les passages précédents, then, ensuite, when you communicate these truths, quand vous communiquez ces vérités, you will start a chain reaction. Vous allez mettre en place une réaction en chaîne. Circumstances that you do not realize, des circonstances que vous n'avez pas réalisées, but that you have started, mais que vous avez commencé, will begin to happen. Vont se passer. And once you start them, et dès que vous les commencez, you will not be able to stop them. Vous ne serez pas en mesure de les arrêter. So it says they will start. Donc ça va commencer. The people who have this experience, les personnes qui ont eu cette expérience commenceront. Events or forces, des événements ou bien des forces, des événements. They will make them come into action or come to life. Qui va leur faire revenir, redevenir en vie. That cannot be stopped. Et ces événements, vous ne pourrez pas les arrêter. So these things, ces choses, are being stopped. Ont été freinées. They're restrained. Elles ont été restreintes. But once you begin to understand what these things are, mais dès que vous commencez à comprendre ce que ces choses sont, then as you speak about those things, alors que vous parlez de ces choses, you will start into action, vous allez entrer en action, those things that were stopped, ces choses qui ont été stoppées, and they will no longer be stoppable. Et elles ne seront plus, il serait plus possible de les stopper. This is what's being brought to view in Ezekiel 37. Et voilà ce qui est présenté dans Ézéchiel 37. Prophesy to the wind. Prophétise au vent.
That wind, ce vent-là, was repressed, et a été réprimé. But once you start speaking about them, mais quand on commence à parler de ça, once you start understanding them, quand on commence à le comprendre, the understanding came from the books of Daniel and Revelation, la compréhension vient du livre de Daniel et de l'Apocalypse. You make a correct application because you're inspired by the Holy Spirit. Là, vous faites une application correcte parce que vous êtes inspiré par le Saint-Esprit. Those winds cannot be repressed or stopped. Et ces vents ne peuvent pas être réprimés ou stoppés. We have already started this work. Nous avons déjà commencé cette œuvre. These forces, ces forces of destruction, de destruction, which we understand, que nous comprenons, have already started, ont déjà donc commencé, and now nobody, et maintenant personne, can repress them. Ne peut les réprimer. They may be restrained for a while, elles seront peut-être restreintes pendant un certain temps, but they're unstoppable. Mais il est impossible de les stopper. The chain reaction has already begun. La réaction en chaîne a déjà commencé. And nothing can stop it. Et rien ne peut la freiner. Let's pray. Amen. Heavenly Father, Père Céleste, we ask and pray for clarity. Nous te prions pour avoir de la clarté. That we might understand. Afin que nous puissions comprendre. The relationship. La relation. Between the third angel. Entre le troisième ange. The binding. Le liage. The seal, le sceau, the harvest, la moisson, the separation, la séparation, but also, Father, mais aussi, Père, the relationship between the latter rain, la relation entre la pluie de l'arrière saison, and the three messages of Revelation 14, et les trois messages d'Apocalypse 14. Father, we know that these things can only be understood by the working of the Holy Spirit. Nous savons que ces choses ne peuvent être comprises que par les agissements du Saint-Esprit. But once we understand these things correctly, mais dès que nous comprenons de façon juste ces choses, begin to share them with others, que nous commençons à les partager avec les autres, we will set into forces, we will set into action, nous mettrons en action forces that cannot be stopped. Des forces qui ne peuvent pas être stoppées. Father, without us even realizing it, et même si nous ne l'avons pas réalisé, we have opened the bottle, nous avons ouvert la bouteille, and this force has already escaped, et ces forces se sont déjà échappées, and now it cannot turn back, et maintenant on peut pas, elles ne peuvent pas revenir. Help us to see the fearfulness of this message. Aide-nous à comprendre le côté terrible de ce message. The times in which we live. Le temps dans lequel nous vivons. Father, help us not to be deceived by the quiet and the peace that surrounds us. Aide-nous à ne pas être trompés par la paix, le calme qui nous environne. This is soon to be shattered. Bientôt, ça va changer. And everything that can be shaken will be shaken. Et tout ce qui sera secoué va être secoué. Help us to get our priorities right, Father. Aide-nous à ce que nos priorités soient bien placé, so that we might be ready for that time. Afin que nous puissions être prêts pour ce temps. This is our prayer in Jesus' name. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen.